La chef de la diplomatie de l'Union européenne est attendue ce mardi à Téhéran pour évoquer la mise en application de l'accord sur le nucléaire. Ce lundi, Federica Mogherini a fait escale à Riyad, en Arabie saoudite. L'occasion pour elle de tenter de rassurer les autorités saoudiennes qui s'inquiètent de cet accord. Il est très important pour moi de venir en personne pour dire que cet accord est un accord fort et solide. C'est avant tout un accord de non-prolifération nucléaire qui garantit que l'Iran ne va pas se doter d'une arme atomique dans les 10-15 prochaines années. Cet accord comporte un mécanisme de rétablissement éventuel des sanctions. Le texte sur le nucléaire iranien a été signé il y a 2 semaines au terme de plusieurs années de tractations. Les pays du Golfe craignent que la levée des sanctions n'entraîne une montée en puissance du voisin iranien.